Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo de revue, en fait, si je peux appeler ça comme ça, concernant un kit de pinceaux de maquillage. Donc, voici comment se présente le produit. Donc, vous achetez vos pinceaux dans une boîte qui se présente comme ceci, tout simplement. Et au dos, vous avez le nom et l'utilisation de tous les pinceaux qui se trouvent dans une super mignonne trousse à pinceaux en fait. Et c'est vraiment sympa. La trousse se ferme, comme vous le voyez, par une fermeture. Et vous avez aussi votre taille à crayon à l'intérieur. Je la trouve vraiment, vraiment bien en fait. Ni trop grande, ni trop petite. Idéal pour l'emporter partout où nous allons. Un kabuki comme cela. Super mignon. Un pinceau à blush. Un pinceau en fait qui ressemble à... Ils appellent ça le Deluxe Eyeshader. Donc en fait c'est pour eyeshadow je pense. Mais il est un peu plus gros que les pinceaux de H&M. Par exemple, voilà, j'ai celui de ELF ici. C'est pour vous donner en fait à peu près la taille. C'est le pinceau blender de ELF. Et comme vous pouvez voir ici, il y a vraiment une grosse différence. Il est vraiment gros. Il y a donc le pinceau blender estampeur. Et je pense que c'est le must. Lorsqu'on se maquille, qui est en fait vraiment bien. Un peu plus la même taille, je pense. On a juste un peu plus long. Et je pense que le fait que ses poils sont plus longs, il estampe mieux. Bien que j'aime beaucoup celui de ELF aussi. Voilà. Ensuite, il y a donc le pinceau pour appliquer le concealer ici. Donc, c'est un pinceau plat. Et enfin, soit angle pour les yeux, donc pour faire tout ce qui est détail, et aussi le pinceau pour les lèvres, pour le... Voilà. Donc vous avez aussi des poches vides, et donc c'est pour ça qu'en fait j'ai posé mon autre pinceau ici. Et en fait j'aime bien le fait qu'il y ait des poches vides, parce qu'en fait on peut rajouter, je ne sais pas, peut-être... un mascara ou des choses qu'on utilise souvent, on peut juste ajouter et donc on peut avoir tout dans un seul sac plutôt que d'en envoyer plusieurs. Le prix est de 39,95$ et j'ai vu en ligne à 29,95$. Donc je ne sais pas si c'est parce que le prix de livraison n'a pas encore été compris dedans ou pas, mais voilà, c'est 10$ de différence. Un peu surpris, on va dire. Je crois que c'est le site de Nude by Nature. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à me les poser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'est une première pour moi, donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Vu que j'en ai pas fait beaucoup de vidéos non plus. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et voilà, c'est ce, je vous dis à la prochaine.